À qui revient la faute de la guerre du Liban Qui est responsable du cafouillage politique et décisionnel de ce conflit de 34 jours Dans la soirée du 12 juillet 2006 à 20h au ministère de la Défense à Tel Aviv, se prépare une réunion décisive. Le gouvernement israélien vote à l'unanimité le déclenchement de la guerre contre le Hezbollah au sud du Liban. Les trois principaux acteurs du drame qui va bientôt se jouer sont le Premier ministre Ehud Olmert, le ministre de la Défense Amir Peretz et le chef d'état-major Dan Halutz. Mais ce trio à la tête des échelons politiques et militaires est-il vraiment compétent pour mener à bien cette guerre? Par le jeu stratégique de la proportionnelle et des alliances de coalition, le Premier ministre Olmert a nommé quelques mois auparavant comme chef de la défense Amir Peretz, ancien syndicaliste, sans aucune expérience du pouvoir ou de la guerre. Olmert lui-même, comment a-t-il pris cette résolution grave? Qui a-t-il consulté? Selon certains responsables, personne. Il aurait fait confiance à son chef d'état-major et à son plan d'attaque aérienne avec l'emploi limité de commandos spéciaux destinés à faire cesser les tirs de roquettes du Hezbollah sur le nord d'Israël. Mais Olmert n'est pas au courant que dès 2003, les conclusions de la commission des affaires étrangères et de la sécurité de la Knesset désapprouvent une telle tactique. Le premier ministre semble pressé, très ou trop pressé d'agir, même si le plan militaire n'est pas clair en dépit de tout. Dès le 19 juillet, à peine une semaine après le début de la guerre, des divergences apparaissent au sein des différents services de renseignement entre le chef des renseignements militaires et le chef du Mossad concernant le pouvoir de nuisance de Nasrallah. Omer réunit Peretz et Khalutz alors que la situation semble critique. Il s'agit de prendre une décision quant à la continuation de la guerre ou pas et de quelle façon. Mais le ministre de la Défense n'exprime pas de position tranchée. Olmert n'a pas d'expérience dans ce domaine et donc décide de ne pas prendre de décision. Par contre, de son côté, Halutz reste optimiste. Le chef d'état-major est convaincu et persuadé que son plan est imparable. Une action aérienne est claire. Le 31 juillet, 20 jours après le déclenchement des opérations, nouvelle réunion de cabinet avec cette fois un sentiment d'échec. Certains accusent Khalutz d'être déconnecté de la réalité. Le chef du Mossad affirme que le Hezbollah n'est pas affaibli et n'a pas perdu sa force de frappe. Mais le chef des renseignements militaires pense le contraire. Dans cette cacophonie, Olmert veut arrêter la guerre, mais ne peut pas. De son côté, Halutz continue à bafouiller et retarde sans arrêt le lancement d'une opération terrestre de large envergure. Mais Shaoul Mofaz, l'ancien chef d'état-major, est pour le déclenchement d'une action terrestre au-delà des lignes ennemies et ne se gêne pas pour le dire. Sa proposition remporte le soutien de nombreux ministres, dont Shimon Peres, le vice-premier ministre. Cependant, deux d'entre eux, et pas des moindres, sont contre. Il s'agit de Halutz et de Peretz. Le 9 août, 29 jours après le début des combats, le cabinet autorise enfin les troupes d'infanterie de Tsahal à se déployer sur le Litani au sud Liban. Le chef d'état-major s'est finalement laissé convaincre par ses généraux et décide de permettre une action a priori qu'il ne voulait pas. Olmert autorise l'opération terrestre à laquelle il ne croit pas. Pour lui, il s'agit d'une manœuvre politique pour parvenir à un cessez-le-feu rapidement. Peretz, quant à lui, hésite. Les quarante huit dernières heures de combat qui ont coûté à elles seules la vie de trente soldats et civils israéliens ressemblent à une drôle de guerre. En fin de compte, que ressort il de ces erreurs stratégiques et politiques? De hauts responsables proches du gouvernement confient que l'échec est militaire mais que le lourd poids de la faute revient au Premier ministre. Il aurait dû arrêter plus tôt la guerre à laquelle il ne croyait pas.